coucou. Malina, tu me fais trop rire. Chaki tap, chaki tap. Ah, je suis contente. On a un nouveau let's play, mes enfants. Enfin, attendez, attendez, faut que ce soit bien. Faut que ce soit bien, on va essayer déjà, tu vois. Avant de savoir si c'est bien, avant de savoir si c'est un let's play régulier, il va falloir qu'on essaye. Mais j'avoue que déjà le jeu il m'a coûté 4€ sur Instant Gaming, donc et puis je pense qu'il est bien. Je suis attirée. Coucou Arlis, coucou Roxane, coucou Mizaza, coucou Nathalie, coucou Tammy et coucou Malina bien sûr. Ma douce et divine. Comment vous allez? Comment vous allez? Alors attends, hop. C'est pas ça. J'ai fait une bêtise. Zoup, voilà, c'est ça. Pour pouvoir accéder à la souris, il faut que je fasse une manip. Ah, Mimi, il a fait le boulot sur Discord, ça c'est bien. Ça, je suis un peu en avance, d'une minute. C'est un début, hein, écoute, une minute. Hein. Zoup. Ah, merci Arlis. Merci beaucoup pour ton sub offert, c'est trop gentil. Coucou Alice, coucou petite Lee. Ouais, Mimi est en avance. Bah, non, il est pas en avance. C'est moi qui suis en avance. Je pouvais pas attendre. J'avais pas envie d'attendre. Coucou tout le monde. On va faire Sherlock Holmes aujourd'hui. Est-ce qu'on sera des bons détectives? Je sais pas du tout comment il a foutu le jeu. J'espère que je vais m'en sortir. Mais parce que j'ai pas un skill incroyable, hein. Donc on va espérer. On va espérer. J'ai eu une mauvaise journée, un petit cadeau avec ton abonnement. Oh, c'est mignon, Arlis. Tu es un amour. J'espère que je compte sur vous pour m'aider pour les options, n'importe quoi, pour les énigmes. Hein. Parce que je suis un cacamou en énigmes. C'est vraiment... Oh, Manon, bah bienvenue. Bienvenue pour qui c'est le premier stream. En quoi consiste le jeu? J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais qu'il a l'air bien, mais je ne sais pas du tout de quoi ça s'agit. J'avais vu, alors mon expérience avec Sherlock Holmes, j'ai découvert Sherlock Holmes avec Le Chien des Baskerville quand j'étais en 5e, je crois. J'avais beaucoup aimé le bouquin. Et j'ai vu la série de la BBC avec l'acteur stylé là. J'ai plus son nom, mais voilà, la série stylée quoi. Et j'ai adoré. Et après j'ai vu, je crois, le premier film Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Mais je suis même pas sûre de l'avoir vu. Il était assez oubliable en fait. Hein. Donc voilà. C'est Benedict Cumberbatch, c'est ça. Voilà. Et ça c'est mon expérience de Sherlock. C'est-à-dire que je ne suis pas une pro. C'est pas comme Batman, tu vois, où j'ai lu beaucoup, etc. Sherlock Holmes, j'ai vraiment lu un bouquin. D'ailleurs, il faudrait que j'en lise d'autres, je pense. Ça peut-être me donner envie, qui sait. Et puis j'ai pas vu 36 choses, tu vois. Donc. Oui, Bénédicte, mais je voyais qui c'était, je savais juste plus son nom. Bonjour, bonjour, j'ai passé une grosse et longue journée, je vais essayer de travailler face à ton live car j'ai trop envie de le regarder, mais il faut que j'étudie. Courage, Lynn. J'ai adoré les deux films. Non, mais après, bon, je l'ai oublié, ça se trouve, je vais kiffer, hein. Est-ce qu'il est en français? Je crois. Je crois. Élémentaire, mon cher Watson. Ah bah là, on va pouvoir se le balancer à toutes les sauces, hein. Qui joue d'ailleurs Doctor Strange, c'est chez Marvel. Exactement, pour Benedict Cumberbatch. Bah, je sais pas comment on dit. Alors, je suis fatiguée. J'ai grave envie de jouer, hein, mais je suis fatiguée parce que j'ai lu pendant 2 heures, en fait, pour finir un bouquin, parce que demain, je tourne un update livre. Donc, du coup, je voulais finir le roman absolument aujourd'hui. Du coup, j'ai lu pendant 2 heures en plein soleil, donc j'ai un peu la voix comme si je m'étais bourré la gueule, tu vois. Je suis pas bourrée, c'est juste que ça m'a cassé un peu. Est-ce que vous êtes ready pour qu'on découvre Sherlock Holmes? Je pense que tu pourras grave kiffer les livres de Sherlock. Ouais, je pense aussi. J'aime bien le côté détective un peu. Mais je pense que les jeux peuvent me plaire aussi. Mets les sous-titres avant de commencer si tu l'as pas fait. Normalement, c'est fait. Normalement, c'est fait. J'ai activé... c'est pas là. Gameplay, je crois. Ouais, sous-titres, oui. Tu vois, je peux mettre non, mais je mets oui. Et c'est en facile. Hein. Bah oui, hein, on va pas se... Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce nouveau let's play? The Devil Daughter. Oui, ça fait un peu peur. Hein. Je veux ma vague de oui. Hop. Oui, Dux. Oh putain, ça date, Dux. Trop bien. Eh ben écoutez, on va découvrir ça. Nouvelle partie. Fin limier ou détective expert. Fin limier, expérimentez la vie trépidante du célèbre détective. Détective expert, mettez vos capacités de déduction. Non, fin limier. C'est bien fin limier, hein. C'est... Franchement, enchaîner Batman avec Sherlock, ma vie est pleine de bonheur, n'est-ce pas?
Fin limier, on est bien fin limier. On est des fin limiers après tout. Détective expert, c'est peut-être un peu prétentieux pour quelqu'un qui n'a jamais résolu une énigme tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Faut être un petit peu humble dans la vie. Fin limier. Vous pouvez sélectionner une option de chargement, trajet en fiacre ou écran de chargement standard dans le menu gameplay. Ah, je sais pas ce que j'ai fait. L'icône déduction apparaît à chaque fois qu'un nouvel indice peut donner lieu à une déduction. Tant mieux, j'ai envie de dire. C'est mieux. C'est sympa. Merci ma tornade, coucou ma tous, comment tu vas? Commençons par la base. C'est ça. Et si on prend du skill, on augmentera. Mais voilà. Soyons humbles. Continuez, mais continuons. Commençons, je dirais même. Oh! C'est pas très beau. C'est friscou. C'est Sherlock, vous croyez? Là, je pose déjà des questions. Je suis insupportable. Hein. Ah, on se fait tirer dessus. C'est peut-être pas nous. On n'est pas moche. Si c'est nous, on n'est pas moche. Oh, quel saut, quel petit cabri. Ça va pour le son? Il y a des loups? C'est un peu la merde là. Enseigne de l'oreille. Je sais pas si c'est spécialement bien. Les battements de cœur, c'est stressant là. Ça va, je fais rien pour le moment, ça me va très bien. Ah, c'est... Je suis vigilante au cas où. S'il faut cliquer sur quelque chose rapidement. 48 heures plus tôt. Ok, on a une inception dans l'autre sens. Déjà, dans un nu, ça commence fort. Oui, bah là, c'est un début... ardent. Ah, donc on était bien Sherlock Holmes et ça doit être Watson qui met dans le feu. Oh, veuillez m'excuser, je vous dérange? Oh, une meuf. Non, je vous en prie. Entrez, madame... Miss Alice de Bouvier. Je suis la nouvelle voisine de Monsieur Holmes. Tu crois qu'on peut la pécho? Je n'ai pas eu le plaisir de... Je suis le docteur John Watson. En quoi pouvons-nous vous aider? Oh, ce n'est pas elle le problème, Watson. Je... Alors, de quoi s'agit-il? Oh, cet enfant qui renifle derrière elle. Débarrassez-vous-en, Watson. Mais il tremble de froid. Et il est contrarié. Oh, petit bouche-bouche. Enfin, il a pas très aimable. Le jeune Tom a frappé à la mauvaise porte. Oh, bon sang. Pauvre garçon. Viens te réchauffer, pour lui. Heureusement, il y a Watson pour avoir le capital sympathie, hein. Miss de Bouvier. Eh bien, je... Nous ne risquons pas de déranger... Vous savez qui? N'est-ce pas? Je suppose que non. Puisque vous êtes notre nouvelle voisine, il vaut mieux que vous appreniez à le connaître. Vous commencez à m'inquiéter. Voyez-vous, Monsieur Holmes est en pleine crise. Il est littéralement malade de ne rien avoir à faire. Il devient alors totalement asociable. Ah oui. J'ai tout essayé. C'est un cas pathologique incurable. C'est un connard un peu, hein, Sherlock, de toute façon. Hein. C'est... Bien sûr, je comprends. Comme c'est triste. Il existe cependant un remède, mais seulement temporaire. Une bonne enquête. En fait, en gros, Sherlock Holmes, on va être honnête, s'il n'était pas brillant, il serait juste répudié et genre trop nul. Mais comme il est brillant, son caractère de merde est devenu sexy. C'est pas juste, hein? Comme quoi, vous pouvez être un connard, mais si vous êtes intelligent, enfin, surdoué, ça passe. Où est l'égalité? J'ai envie de dire. Tu vois, c'est pas juste. Oh, c'est quand même une grosse tête de con, Sherlock. Non, mais je l'adore. Mais justement, je l'adore parce qu'il est brillant. Mais ça n'excuse pas que ce soit une grosse tête de con. C'est une grosse tête de con, tu vois ce que je veux dire? Alors que Watson, c'est un bébou. C'est... On peut augmenter un peu le son du jeu. Oui, je peux faire ça, c'est dans mes cordes. Hop, je sais pas pourquoi j'ai fait rouler le R. Hop. Non, attends, faut que je me remette là. Zoup, voilà. C'est à son intelligence qui l'a rendu un connard. Ah, tu crois? Hein, grosse question de débat. Est-ce que c'est son intelligence qui l'a rendu connard ou est-ce qu'il était connard et ça l'a rendu intelligent? Ha! Watson, il a une femme. Mais qui dit là, il a pas dit, ça se trouve, il a pas de femme, hein? Il a pas de femme, Watson. Watson, il a pas de femme, c'est un vieux garçon. Qu'est-ce que cette histoire? Bah, il y a peut-être une histoire d'une femme dans les bouquins, mais en tout cas, dans les livres, dans les films, il n'en a pas, hein. Donc, continuons. Il est probable que s'il refuse cette histoire, son, présente, pour vous, son hein, état ne fera qu'empirer. Je suis là, vous savez. Je ne me suis pas envolé par la fenêtre.
D'accord, d'accord. Allez, sois aimable un peu. Fais un effort. Merci, miss. La pauvre, c'est pour se foutre. De rien. Pourquoi es-tu venue? Je peux juste poser ça? Bah, allons-y. Oh là là. Établissez le portrait de la personne en prêtant attention aux détails et en déterminant leur signification. L, B... Ah, attends, B, c'est, je sais jamais lequel c'est. C'est A ou en haut? Non, c'est celui d'en haut, ok. Avancer, revenir, ok. Attends, quand c'est blanc, c'est que je peux voir... Ah non, quand c'est jaune, je peux voir quelque chose. Yeux rouges, conjonctivite ou chagrin récent? Chagrin récent, sinon il viendrait pas nous voir. C'est... Ok. Il y a pas un truc... Ah, il y a quelque chose ici. Teint pâle, malnutrition, ok. Une petite médaille, c'est important, il s'appelle Tom. Né en 87, Tom a 8 ans. Oh, petit bouche-bouche! Les boutons sont bien cousus, on peut en déduire qu'il a une maman ou un père qui sait coudre. Donc ça, c'est... Bien raccommodé, parents attentionnés. Voilà, t'as vu? Eh, eh, ça y est, vous pouvez m'appeler Sherlock Holmes. Franchement, ça y est. Comment je fais pour monter? Je peux pas remonter? Je sais pas comment faire pour monter plus haut. Attends, LB, revenir. Ok, c'est bon. Ok, revenir, hop. Ok, super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre sur son visage? Non, le visage, je crois que c'est bon. Hein. Je vais être sûre de rien oublier. Ok, avancez maintenant. Ok, j'ai compris comment ça marchait. Tom a 8 ans, ça j'ai vu. Paris intentionné, j'ai vu. Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Oui, il y a fatalement d'autres choses à voir. Ici! Carte de Londres, il sait lire et se servir d'une. C'est un bon garçon. Tom est brillant. J'ai toujours... Mais ça s'est vu tout de suite. Il a l'air particulièrement intelligent. Il est trop jeune. Il est trop jeune pour compenser une cochonnerie, voyons. Bras estropié. Malformation ou blessé? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que j'en sais? Je dirais malformation. Je sais pas. Ah, y a autre chose. Ah, c'est bon. Valider observation. Valide? Dans les livres, Colanda est tellement incohérent à propos des femmes de Watson que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur combien il en a eu. Mais oui, dans un livre, il fréquente Marie. Ah oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Thibou? Ah, c'est pour la blague que j'ai fait. J'avais pas compris. Valider l'observation. Allez, on y va. Valide, allez. Portrait complet. Ça se trouve, il est pas mal formé, hein. C'est une théorie. C'est... Oh! Alors, voyons voir. Tom a 8 ans, donc ça, on l'a vu, hein, c'est... Ses vêtements sont usés, mais rapiécés avec soin. Les parents de Tom se soucient de son bien-être et de son éducation. Sa pâleur indique qu'il souffre de malnutrition. Il a l'air triste et les yeux rouges. Il a pleuré très... Comment on tourne? RB. C'est ça. Non, c'est pas ça, zut. Très... Récemment. La malformation de Tom peut être due aux carences alimentaires de sa mère pendant la grossesse. Ça, c'est un peu trop précis, quand même. Ok, donc ça, je peux tourner. Ok, donc ça, c'est pour tourner comme ça. D'accord. Voyons voir en haut, maintenant. Les échos, j'en ai pas. Les dialogues. Bon, ça, on s'en fout, hein. C'est les dialogues qu'on a vus, donc... Documents, preuves, la ville... Wouah ! Et tâches. Lorsqu'il trouve un jeune garçon des rues en larmes sur le pas de sa porte et que celui-ci indique que son père a disparu au cours d'un travail secret et spécial... Ah bah, on se spoil. Holmes décide de faire toute la lumière sur cette histoire. Bah, du coup, on sait ce qui se passe. Du coup, pourquoi es-tu venu? Ah, faut que je recommence? Ah non, c'est bon. Bah c'est bon, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Quitter? Alors mon garçon, dis-moi ce qui t'amène. C'est mon père, monsieur. Il a disparu. Je suis perdue, vous savez. Je sais pas quoi faire. Petit homme pousse, va. Que s'est-il passé? Soyons pragmatiques, hein, c'est... Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Ça va, on s'est pas spoil de beaucoup, on s'est spoil de 3 secondes. Il est parti travailler, mais il allait pas bien. Il était bizarre, et il était en colère. Oh, 3 semaines? Ça fait 3 semaines qu'il est tout seul, le gosse? C'est pas un jeu à monde ouvert, t'inquiète. Merci, Wattel, de me rassurer. 3 semaines, c'est long quand même, et tu te réveilles comme un an, genre le daron, il a disparu, 3 semaines c'est long. Voilà. Tous les jours, j'espérais, je m'attendais à le voir arriver. De toute façon, je sais me débrouiller seule. Pareil, attentionné. Ah non, c'est pas ça. Comment? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Rien. Je réfléchissais. J'avais pas... Ok, il fallait que je sorte une preuve à ce moment-là. Son nom? Comment s'appelle-t-il? George Hurst, monsieur.
George Hurst. Bah, pauvre George, on va essayer de trouver, hein. Tu m'étonnes qu'il soit mal nourri en 3 semaines, j'avoue. Disparu? Et qu'en dit la police? La police? Ils veulent pas me croire. Ils disent qu'il m'a abandonné. Mais c'est pas vrai. Bah, parent intentionné, là, du coup. Oui, là, non, oui. Bien sûr. Tes vêtements sont... Ah, là, là c'est pour me la péter, en fait. Tes parents sont pauvres, mais tu ne manques pas d'affection. Ah, c'est oui, pour se la péter. Je pensais que c'était chronométré, mais j'ai le temps, en fait. Parce que ma mère, elle est morte quand j'étais petit. Oh. 2 ans de plus pour qu'il ne t'ait pas abandonné. Ton père n'est pas du genre irresponsable. Il s'occupe bien de toi. C'est vrai. Mais il n'a pas vraiment de travail. Il est obligé de faire des petits boulots. Des petits boulots payés la journée. Quand on le paye. Oh, pauvre Tom. Sauf que cette fois, il n'est pas rentré à la maison. 3 semaines, ça fait long quand même, hein. C'est chaud quand même, hein. Thibaut est plus chiant que le maître. Ah bah si, j'ai réussi là, eh. Bizarre. Comment ça? Il m'a dit, fiston, je pars pour un travail spécial. Toi, t'as pas intérêt à bouger d'ici. Ça pue un peu, hein. Il a dû lui arriver quelque chose. Allons-y, allons-y. Où? Très bien. Ton adresse, Tom. 12 Dorset Street, premier étage, porte E. C'est à Whitechapel, monsieur. Mais j'ai pas d'argent pour... Qui a parlé d'argent, Tom? Oh, ton affaire et le c'est remède bien, qu'il me c'est fallait. Un gentil, hein. On va là-bas. L'aider, va. Oh, merci, monsieur. Mais de rien, va. Ça, c'est vraiment de la fiction, hein, parce que jamais un détective, il fait ça gratos. Hein. C'est clairement... enquêter sur la disparition de George Hurst. Calme-toi. Fouiller le logement du docteur Hurst. Ok. Et je peux pas bouger. Ah, c'est juste moi qui bouge. Ça fait trop bizarre de pas avoir 2 trucs. Genre moi qui bouge et la manette qui peut bouger aussi. Donc là, si j'appuie là-dessus. Mes archives. Je peux toujours les consulter si nécessaire. Ok. Mes archives. Ok. Je peux toujours les consulter visite, si nécessaire. Hein. C'est quoi là? Ah, mais attends, je veux pas sortir tout de suite s'il y a d'autres trucs à voir. Ah, mais y a combien de portes? C'est un peu chiant que je puisse pas bouger. Ah, tata, il y a une map ici. Il y a pas moyen de diriger ce truc-là. Ah, si. Ok, d'accord, une j'ai compris. Une carte de Londres et de ses alentours. Ça peut servir. Je peux organiser du coup ce que je veux voir en zoomant ou pas. Oh, j'ai un chien. Brave Toby. Oh, j'ai un chien. Le meilleur player de tout l'Empire britannique. Ah, on peut parler à Watson. Nous devons aider Tom à retrouver son père, Holmes. Bien sûr, t'inquiète. T'inquiète, chouchou, on va l'aider. On va l'aider. Ma table d'analyse. Elle me sert pour mon travail. Eh ben écoute, tu m'envoies ravi, mon bouchon. Ça, c'est quoi, c'est encore tes archives? Les archives. Il y a beaucoup d'archives. Toujours hein. Les consulter. Coup, attends, il y a combien de portes là-dedans? Une ici et 2 là-bas. Eh ben écoute, on va essayer de d'abord voir celle-là. Testons les choses. On visite l'appart, hein. Oh, quelle chambre. Oh, c'est très anglais, hein. On est clairement. C'est pas nouveau qu'il a un chien, Thibaut. Hey, je vous ai dit, je connais pas Sherlock Holmes, alors commencez pas à me faire vos... Hey, mais Thibaut, tu sais pas que Sherlock Holmes, il fume la pipe et puis... Bon, ça, c'est, je le sais, mais... Et tu sais pas qu'il change de slip 3 fois par jour, hein, t'es trop nul. Je connais pas, donc, hein, gardez vos tons. C'est pas pour toi, clochette, t'inquiète, ouais. Je peux changer de vêtements? Ah, oui. Ah, bah attends, faut changer les vêtements, là. Négligé. Oh. Oh, ça, c'est pas mal. Pasteur. Tenue de sport. Complet usual, ça c'est bien, c'est quand même plus habillé. Par-dessus, c'est pas mal par-dessus. Il fait un peu friscou à Londres, hein. Intérieur, négligé. Non, on va l'habiller en par-dessus, c'est pas mal. Par-dessus, c'est bien. Comment je fais pour prendre? Valider et sortir, ok. Ah bah quand même, voilà, regarde comme on est sexy. Et on peut se coiffer. Oh, magnifique. Oh, magnifique, cheveux et chapeau. Ouf. Mais autant lui donner un petit style, tu vois. Oh là 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 là, non mais c'est gras ça. Mais faut les laver. Ah! Non mais t'as pas des cheveux beaux et soyeux? Non mais. Oui, bah à la limite ça cache la misère. Oh, c'est pas mal. Pas mal aussi. Il y a quelque chose avec les chapeaux quand même, hein. On peut lui mettre ça. Lunettes, non. Et barbe, non, non. Oh là là. Oh là là. Non plus. Ouf. Pas mal. Allez, on lui a fait un petit hoop, quoi, c'est... Hop. On est bon, on est beau, attends, regarde-moi. Eh, on n'est pas dégueu, hein. Allez. Bon, je suis pas sûre qu'on ait quelque chose à pécho, mais dans le doute... Bon. Il faut quand même ménager son look. Et attends, c'est quoi l'autre porte? Parce qu'il y a une autre porte, je veux savoir. Je visite mon intérieur, quand même, hein.
T'as une vie comme ça. Bon, après, je dis pas que je voudrais vraiment kiffer sa maison pour tout, parce que genre, il a des squelettes et tout, enfin, il y a des trucs chelous quand même. Mais c'est beau l'appart quand même, tu sais, c'est un petit côté cosy et tout. Watson y relate nos aventures. Ah, c'est la chambre de Watson. Ok, donc je viens de rentrer dans sa chambre sans aucune forme de respect. Ok, très bien. C'est intéressant. T'as pas vu la terrasse? Ah, on peut voir la terrasse? Charlotte se déguise pendant les enquêtes, il a l'air du déguisement. Ah, bah je m'en doutais un peu pour le pasteur. Je dois avouer que... J'ai pas vu qu'il y avait une terrasse. Où elle est, la terrasse? Dans la chambre? Ah oui! Effectivement, je n'avais point vu la terrasse, je savais même pas qu'on pouvait y aller en fait. Oh, c'est beau, hein? Franchement, oh, ça donne trop envie. Ça fait un peu Écosse comme ambiance. Enfin, en tout cas, Édimbourg actuellement, ça ressemble un peu à ça actuellement. J'y suis allée il y a genre 3 ans, mais ça ressemblait un peu à ça. Et c'était très beau. Sans spoiler, je peux te dire qu'il apparaît dans un des jeux de la série. Il y a plusieurs jeux, celui-ci est l'avant-dernier sorti. Ah, tu me parles pas à moi, peut-être, Louisana. Parce que j'ai posé aucune question, donc je ne sais pas de qui tu parles. Eh ben écoute, allons voir un petit peu notre petit homme pouce, hein. On s'est fait beau, on sent bon le sable chaud. Ah, c'est nous qui nous dirigeons juste... Ah, d'accord, donc j'ai trop l'habitude de me faire guider dans les jeux... point and click, tu vois. Attends, je regarde un petit peu ce qui se passe ici. Il se passe rien, ok. C'est très beau. En tout cas, l'ambiance est très prenante. J'y crois sans problème, hein. C'est très très joli. T'es vraiment dans l'ancienne Angleterre, tu vois. C'est sympathique. Je peux visiter les chambres du bas ou... Ou ça considère que ça me regarde pas et que... Oui, non, ça considère que ça me regarde pas. Je comprends. Je ne juge pas. Allez, on se casse. Ah oui, mais c'est vraiment... Putain, à chaque fois, en fait, je m'attends à un écran de chargement. Mais non. La porte s'est refermée. Donc, on referme la porte. On va pas refermer la porte. Attends, mon côté toqué se... On va pas refermer la porte. D'accord. Oui, alors... attends. Non. Comment on fait pour afficher la map? Ah, peut-être... Oh! Ok, d'accord. D'accord, donc là, pour le moment, ça ne me concerne pas. Le jeu est magnifique. Ouais, je suis d'accord. Hein. 221B Baker Street. Ah, parce que je dois y aller à pied? Genre, je vais me balader à pied? Eh, c'est... Attends, mais j'ai pas de map, j'ai rien. Il est magnifique le jeu, je suis d'accord. Franchement, c'est dans le carnet. Ouais, mais je sais plus comment on l'ouvre le carnet. C'est ça le... Non, ça c'est... Non, c'est pas ça. Comment on l'ouvre? Ah, c'est X, ok. Ah, oui, d'accord. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'était X. Si c'est... Ouais, heureusement qu'il y a une map, hein. Franchement... Je crois que je me suis trompée de bouton. Attends, bah du coup, on peut faire directement là. Ah oui, d'accord, je me suis trompée de bouton. Whitechapel. C'est ça, on y va. Ça, j'avais fait retourner à la maison, ce qui était un peu con-con, hein. Bon. Tu t'en sors bien quand même. En même temps, pour le moment, la seule chose que j'ai fait, c'est l'habiller. Donc ça, bon, ça reste quelque chose d'accessible pour le commun des mortels, hein. Ça va bien se passer. Ouais. Je pense aussi. Allez, on va enquêter. Ces rues sont trop étroites pour le fiacre. Je vais devoir marcher. Bonjour le cheval. Bonjour. Je vais t'appeler Ernesto. T'es un très beau cheval. Par contre, tu manges pas beaucoup. Eh, dis donc, Marc-Antoine... Non, je veux te parler. Ah, je peux pas lui parler? C'est forcément pour me déplacer. Je peux pas lui parler, genre, humainement parlant, quoi. C'est pas un humain, c'est... Oh! D'accord. Ok, ça, c'est les indices que j'ai sur Tom. Ok, d'accord. Ok, enfin, des preuves. On peut passer à des preuves, mais... Qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi tu fais du jogging? Ah bah, attends, qu'est-ce que tu dis? Gritesse chaud. Oh, des éléphants. Alors, tu sais qu'en 2020, les zoos avec... Enfin, les cirques avec les animaux, c'est très mal vu. Donc, profites-en tant que tu peux, hein. Attends, je dis bonjour aux gens. On sait jamais que c'était des indices, hein. Excusez-moi. Comment aller à Dorset Street? Ah non, c'est juste pour... Oh là 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 là. Vous allez dans la mauvaise direction. Faites demi-tour et passez sous le porche. Merci, Jean-Hubert. C'est fort Marie de ta part. Et ils sont tous en train de mourir, en fait, les gens, là. C'est... Jean-Hubert, il a clairement eu la variole ou quelque chose, hein. J'ai bien envie de visiter un peu le quartier. Ouais, quoique, je suis pas sûre que ce soit... Attends, je vais quand même regarder. Il y a une pauvre dame par terre. Mais relève-toi, pauvre madame. Ah bah, je peux pas aider... ne change pas. La grâce et les mendiants. Je suis juste curieuse, mais... Non, faut que j'aille... pensons à Tom Pouce, hein. Petit Tom Pouce, là. Parce que je jette la veuve et l'orphelin, mais du coup, Tom Pouce, il va vraiment devenir orphelin avec cette histoire. Donc,
C'est Whitechapel, c'est le quartier le plus pauvre de Londres. Ah, c'est pour ça. Ah oui, du coup, je peux voir ici. Qu'est-ce que ça fait? Whitechapel High Street. C'est ça. Il est beau ou pas? Franchement, vous le péchotez ou pas? Moi, je pense qu'il est péchotable. Franchement... Merci, Signiel, pour ton sub. Tu es trop gentille. Tu es plus belle que Jean-Edouard. Je sais plus comment il s'appelait, Jean-Hubert. North Street. Attends, je veux quand même... Enfin, j'aime bien... franchement, c'est tellement beau, j'ai envie de se balader. J'ai envie de balader un peu, là. Je peux leur parler? J'aime bien parler aux gens. Je veux créer des contacts humains. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il nettoie une pompe dégueulasse. C'est un peu... C'est pas l'ambiance la plus ouf du monde. Attends, il y a un truc à faire ici. J'ai vu, il y avait un point jaune. Faut pas me mentir, sur le point jaune, j'ai vu un point jaune. Putain, c'est beau. Même en quartier tout pourri, il y a quoi ici? Ah, je peux rentrer? Ah non, je peux frapper. Je n'ouvre pas aux inconnus. Je vends des serviettes top vegan, super bien et chaudes. Je n'ai pas soif pour l'instant. Ah, c'est une taverne, ok. C'est... Ouh, grosse ambiance, hein. Je crée des contacts humains, on est loin de Sherlock du coup. Effectivement, bon, Sherlock c'est un peu l'opposé de moi, c'est-à-dire que moi je réfléchis peu, déjà. Et je suis très dans le social, hein, très dans le contact, donc oui, effectivement, il y a une petite... Je vais lui apporter l'humanité qui lui manque. Ah, mais c'est désolé, pas là, en fait. Je travaille, il peut pas ouvrir. Je me dis, où est-ce que je dois aller? Ah, mais je sais pas l'adresse. C'est quoi l'adresse? Ah, donc en fait, faut que je me fasse toutes les rues, quoi. Donc j'étais pas si déconnant, c'est pas déconnant, en fait, faut que je frappe partout. Créons des liens. Quelqu'un? C'est le plombier! Il y a personne au numéro 2 en tout cas, je sais pas. Hall Tabard Pub. Oui, non, mais je vais pas me bourger la gueule maintenant. T'es pas très roleplay. Pas trop trop. Personne au numéro 7. Il y a personne. Ah non, dur échec. Tiboule qui toque à toutes les portes qu'elle voit. Ah non, c'est dans le carnet aussi? Où tu vois? Dans le carnet? Ah oui, c'est au 12. Ah oui, c'était marqué dans le carnet, effectivement. Alors du coup, je suis à quoi? De quel numéro là? Il n'y a pas de numéro partout, hein. Aussi, c'est pas très indiqué. Là, c'est numéro 4. Ah, mais peut-être que j'avance par là. 14. Ah. Je cherche un 12. Un 12. J'ai le 14, bien avoir le 12, pas bien loin. 13. Ah non, mais on se joue de moi. 13, 14, ah, il va être là le 12. Je sens que le 12 est proche. C'est quoi ça? Ça c'est 15. Oh mes culs! 12! J'ai trouvé. Attends, juste qu'il y a un petit vieux qui est en train de mourir là. Genre, t'as vu comment il a mal au dos? Je vais voir s'il a besoin d'aide. Quand même. Soyons magnanimes. Ça va? Pauvre Claude. Ah, dur métier, hein. Ah, mais. Ce truc là, il y a quand même beaucoup de feuilles. Je veux pas dire, mais tu devrais y mettre un peu plus de vigueur parce que là, t'es encore demain. Franchement, t'en as jusque là-bas. Après, rassure-toi, t'es sur ta dernière ligne droite. En vrai, en 15 minutes, t'as fini si tu t'y mets bien. Allez, courage. Franchement, pense à autre chose. Ça va passer tout seul. Alors, attends. 11-12, c'est bon, on y va. J'y vais, je suis là, Tom. J'espère que t'es pas impatienté. I'm here. Ouvrir la porte. Alors, attends, parce qu'il y avait une autre indication. Porte E. B, C. Oula, la lumière a pas voulu... Non, ça c'est une sortie. Je ne veux pas sortir. Déjà, j'ai eu du mal à rentrer. Alors, ça doit être à l'étage, du coup. Je sais. Bah, appelez-moi Sherlock Holmes, de toute façon, là. Hein. C'est... Thibaut, coach de motivation. bâtiment... porte E. Porte E, c'est donc là. Porte D en face. Tout va bien. C'est jusque-là logique. Allons-y. C'est pas bête de trouver des lettres pour les appartements, des numéros. Oh, Miss Rubilea, c'est mignon. J'arrive, Tom! Voilà, c'est là qu'on habite, monsieur. Oh bah c'est cosy! RB, RB. Ah! RB, c'est ça. Il y a quelque chose dans la poche, allons-y. Bah, prends-le! The best choice of beer. Ouais, c'est un truc pour le pub qu'on a vu tout à l'heure. Ok. C'est pas un indice foufoufou. Attends. Avant d'utiliser la vue de bâtard là. Le toit fuit tout le temps. C'est mon père qui le réparait. Ah
C'est de la bonne fuitouille là quand même, hein. Avant d'utiliser la vue de dingue, on va quand même regarder avec nos yeux de mortel, hein. Et puis on verra après pour la vue d'enquête. Parce qu'il y a des trucs à voir avec la vue de mortel. Pourquoi t'as un truc sur le canapé aussi? C'est crapaud là un peu. Ah, il pleut aussi sur le canapé. Ah oui, c'est compliqué. Ça doit être assez humide comme endroit du coup, hein. Ok, c'est joli la petite sculpture. Oh, il y a eu une vie plus aisée à une époque. Il y a eu quelque chose. Ah, tu peux voir ça? Oui. The Valley Co. Ok, les factures payées. Payées. Ah, pas payé. Ah, c'est pas payé. Hearst a payé ses factures en avance. Ce qui a permis à Tom d'être à l'abri du besoin. Bien joué. C'est un homme prévoyant qui aime son gamin, on est content. Ma mère, monsieur. Elle est morte quand j'étais petit. Non. Mon père m'a parlé d'elle. Mais c'est tout ce que j'ai d'elle. Je suis désolé, Tom. Ma mère a disparu quand j'étais très jeune, moi aussi. Il est gentil, Sherlock, hein. Elle avait l'air pas très très sympa, la maman, mais en même temps, à l'époque, ils souriaient pas des masses sur les photos parce qu'ils avaient les dents pourries, donc ça peut pas trop aider. Ah, il faut tourner la feuille, pardon. Je vais essayer, alors. Tournons la feuille. Ouais, et alors? Il faut que je tourne tout, ok, je dois prendre le réflexe de... D'accord. Tu sais que t'as tout trouvé, tout ce qu'il y a à voir quand le rond est vert, ok. Mais là, il y a rien d'autre à voir, hein. Je dois prendre le réflexe de tourner. Ok, ok, ok. Ici, il y a quelque chose. Les réserves s'amenuisent. Cela fait déjà 3 semaines que George Hearst a disparu. T'as le pauvre gamin. Heureusement qu'on est cool en vrai. Hein. Sinon, le gamin, il serait juste mort en fait. On préparait une soupe paysanne. Un plat astucieux pour quelqu'un sans compétences culinaires. Ouais, c'est pas si facile. Moi, je sais pas faire une soupe paysanne. Hein. C'est clairement... C'est bien que ce soit en français parce que du coup, il n'y a pas besoin de se dépêcher de lire, pas vrai? C'est ça. Attends, j'arrive, Tom Pouce. Bouge pas. Ok. Ah, voilà pourquoi tu es venu me voir. Ah, il faut peut-être que je réappuie pour qu'il analyse en fait ce que j'ai vu. Attends, il y a un truc ici. Tom doit lire le soir. Ok, des objets marqués d'un truc, nous savons plus tard dans notre enquête. Mais écoute, tant mieux. Alors attends, je vais retourner voir ici. Faut que je me familiarise, hein. Du coup, est-ce qu'il faut que je réappuie? Le pub The Old Tabard. Fallait que je réappuie dessus pour que ce soit en vert. Ok, je comprends mieux pourquoi ça l'avait pas fait. Non, y a pas d'indice derrière. C'est juste qu'en fait, il faut réappuyer sur le rond, enfin sur A pour dire que, ok, il l'a vu. Sinon, ça compte pas. Et... Donc là, c'est bon. Ah non, toujours pas. Mais c'était vert. Bah, attends, je regarde. Non, je pense que là, c'est bon, hein. Le pub oui, c'est The bon. Old Tabard. Par contre, c'est peut-être qu'il y a autre chose. Mais... Ça me perturbe qu'il n'y ait pas un rond vert maintenant. Mais non, je crois que c'est bon, hein. Ok. Et du coup, il reste à me parler. S'il vous plaît, monsieur, retrouvez mon père. T'inquiète, Tom Pouce, mais tu veux pas... S'il vous plaît, monsieur. Non, je vais pas y mettre du tien. Retrouvez mon père. Ah, et des bouquins. Un lot de vieux livres d'occasion. George Hearst essayait de donner à il aime son gamin, la meilleure éducation possible. C'est mon père qui m'a acheté tous ces livres. Il me l'a pas dit, mais je sais qu'il a mis son manteau au clou pour ça. Il faut que je clique derrière le papier. Ok, d'accord. Ah, non. Oh là, mais referme la porte. Oh, ça me stresse qu'il laisse les portes ouvertes, ça m'oppresse. Je retourne le papier et je reclique. C'est ça que vous me dites? De la colle. On a dû l'arracher d'un mur. Bien, wesh. Eh, mais ça le fait encore! Eh, mais ça me stresse! En bas, c'est bon. De vieux vêtements, sales et usés. Voilà, j'ai mon rond vert! Ah, bah comme quoi, faut jamais abandonner, hein. George Hearst a fait toutes sortes de métiers. Un homme dur à la tâche, apparemment. Ok, donc ça, c'est la porte, c'est bon, elle s'est refermée bravement. On va voir à l'échelle un peu ce qui se passe en haut. Vous êtes bien humide, le lit en haut, hein. Les potes se referment toutes seules. Oui, j'ai vu. Oui, on voit rien là-dedans. Il fait trop sombre. Je ne vois rien. Bon, on va prendre la petite bougie. Allez, on descend. On veut prendre la petite bougie? Bah oui. C'est quand même plus malin. Allez, hop. Remontons enquêter. T'as vu, j'ai trouvé l'indice toute seule, hein.
Ah, il l'utilise tout seul, c'est bien, j'ai cru que j'allais devoir le faire. Ça me faisait chier. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une sacoche en cuir? Que contient-elle? Oh, que contient-elle? Ouh là 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 là! J'imagine un truc trop hypant alors qu'en fait, pas du tout, mais... Lettre adressée à George Hurst. Bonjour George, je sais que vous avez du mal à trouver du travail et que votre fils a besoin de nourriture et de vêtements. Je joins à cette lettre le prospectus d'un pub. Il paraît que là-bas un gars propose un travail spécial, peut-être que ça vous aidera, je l'espère. Bonne chance. Attends, du coup il y a d'autres trucs ici. Donc ça c'est le pub qu'on a vu tout à l'heure en plus. Et les quittances de loyer. Et là c'est un nouveau truc, le logement de Hurst du coup qu'on a débloqué. Ok super. Et là on n'a rien. Oh, il y a deux trucs là-haut. Quelques vieilleries, c'est tout. Tu vois ça à distance? Ah ok, on a fini, ça veut dire. Donc, c'était rapide. C'était bref mais intense, comme tu dirais. Hein. Ok, on a fini. Maintenant, il faut qu'on se renseigne sur le travail spécial. Ok, bah on se casse alors. Est-ce que je peux te dire au revoir quand même, bonhomme? Le pub vit au Tabard. Ton père t'en a déjà parlé, Tom? Il y va souvent. Mais c'est pas un ivrogne, monsieur. Non, t'inquiète pas. C'est pas loin. C'est sur North Street. J'y vais, mon grand. Tu restes là, hein? Tu es sage en mon absence. Tu peux en profiter pour faire un peu de ménage, genre changer les draps de ton lit ou les laver, parce que franchement, là, il y a besoin. Et me ramasser ça, là, pourquoi il y a une chaise retournée? D'accord? Tu me fais ça, mon grand. Et je viendrai te border après dans ton lit tout propre. Ok? Et on mangera ensemble une bonne petite souplette. Voilà, on va faire ça. Allez. J'espère que la porte, elle se referme. Hein. Je veux pas laisser qu'un criminel y rentre pour faire du mal à Tom après. Hein. Ça serait quand même très cul, hein. On touche pas à mon petit Tom Pouce, hein. Tu me tues. Ah bah je joue à ma manière, ah, ça c'est sûr que... Ok, je suis à nouveau dans la rue. Est-ce qu'on a à nouveau notre petit vieux qui galère? Oui, tu t'en es sorti depuis tout à l'heure, Claude? Tant mieux pour toi. Alors, le pub. On peut parler aux gens, j'aime bien parler aux gens. Attends, 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 il y a un truc à faire. Ah non, c'est juste... un bouton. D'accord, j'ai cru que c'était un truc. Oh. Bonjour, monsieur Holmes. Tiens, le jeune Wiggins. Tu as trouvé un travail, à ce que je vois. Si on veut. Je déteste ça. Mais si vous avez un vrai travail pour moi... J'aurai peut-être besoin de toi plus tard. Ah! Attends-moi là. C'est notre poteau. Notre poteau qui surveille les rues. Petit problème de malnutrition aussi, Wiggins. À votre service, monsieur Holmes. Oh, je l'aime bien, Wiggins. C'est mon poteau. Alors, le pub. Ah, c'est chez nous, vous. Mais alors, où je suis arrivé, moi, tout à l'heure? Bah attends, je vais prendre le petit plan. Le petit plan. Ah bah c'est ça, c'est juste là où je suis en fait. Ah c'est peut-être pas là, c'est peut-être à côté. C'est à côté. À gauche, oui j'y vais. J'étais pas loin. C'est perturbant de ne pas avoir des écrans de chargement quand on ouvre une porte. Je vais tendre l'oreille pour découvrir qui propose ce travail spécial. Ok. Tends l'oreille. Alors, attends, par contre, faut peut-être se placer à un endroit intelligent, du coup, là, genre là, il y a des gens. Non, pas trop esclavagiste. Genre là, ça peut être pas mal. Ah, je peux pas m'asseoir ici? Ah là, je c'est bien. Je ne peux écouter personne ici. Ah bon? Alors, je pensais que c'était plus malin, mais non, c'est qu'il y a la musique. Ah, là-bas, peut-être. Oh, ici. Attends. Ici. Adossé discretos. Ça, c'est de la discrétion, hein. On peut écouter? Utilisez commande de concentration pour viser afin d'écouter la conversation. Ok. Ok. Ah oui, il faut être minutieux. C'est tout à fait ma qualité première, ça tombe bien. Le gars qui propose ce travail spécial, il a une sacrée paire de rouflaquettes. Du premier coup! Ah, on n'a pas du travail spécial, hein. Vas-y, attends, on va écouter à côté quand même. Il faut être minutieux, délicat. Égalité pour la classe ouvrière. Je suis content d'être mon propre patron. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Ou à Watson. Donc ça serait plus ces mecs, mais c'est le mec à côté en fait. Il en a parlé, lui. Tu peux pas le choper? J'ai là-bas. Je vais le mettre ici. Plus le piquet de grève est long. On va tout écouter, hein.
Discrétion, Thibaut, discrétion. Ah, de ouf. Oh, il a une sale gueule, lui. Oh, il a une tête de méchant. Ce qui ne veut rien dire, parce qu'ils ont tous des tronches un peu déglinguées, mais... Non, non, non. Le gars qui recrute pour le travail spécial. Ainsi, l'homme que je cherche a des roues flaquettes et ne boit jamais d'alcool. On a deux indices en une minute, hein. C'est pas nul, hein. Franchement. Coucou, Lévias, installe-toi. Profite bien. Ah, 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 regarde-lui. Bon, je suis pas sûre qu'il parle tout seul, mais... Regarde, il a des roues flaquettes. Et bim. Ouais, comment je fais pour valider? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, 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 non. Non, restez-toi. Coucouche. Avance. Ah, c'est avancé. C'est vrai, j'oublie toujours. Donc, roue flaquette. Alors, attends. Avancer, c'est RB. C'est ça. Ok. Et il boit de l'eau. C'est donc notre homme, étant donné qu'il y a 4 pélos en bas. C'est l'homme que je recherche. Oui. Surveillons-le, alors. Soyons vigilants. Roue flaquette, c'est quand même un mot horrible. J'avoue que... Maintenir pour accélérer le temps. Je suis vigilante, Genre, on consomme même pas, quoi. Putain, j'ai dit à Tom qu'on boirait de la souplette avec lui. 30 minutes plus tard. Ah oui. T'as 30 minutes à écouter le mec jouer, là, tu... T'as besoin d'un verre, quand même, pour oublier, hein. Ok. Suis-le peut-être, chouchou, hein. Parce que si tu comptes sur moi, t'es dans la merde, hein. Elle est trop bien, cette musique. Ouais. Intéressant, hein. Un avis de recherche. Je vais essayer d'en savoir plus. Donc je suis... Waouh, 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 waouh. Début octobre, Monsieur John Stonebridge a disparu de Dorset Street dans des circonstances mystérieuses. Ok, donc là, t'as quelqu'un d'autre. Ok. Donc là, j'ai débloqué le pub. Il faut que je le suive? Ou faut que je demande aux gens? J'attends votre avis à vous, parce que si je le suis, je sens que tu vas en baver pour ce qui vient. Ah! Super! Ah bah c'est pas ma faute, Moumouche, si je marche tout le temps. C'est le but du jeu, hein. Faut que je le suive. Oh. Oh. Ok, super. J'espère que je vais m'en sortir quand même. Mais il est parti par où? Attends. Ah oui, il est là. Très bien. Magnifique. Ah. Tu vois ce monsieur? J'ai besoin que tu le suives. Parfait. Que tu me rapportes. Je fais ma bourgeoise et je paye un pauvre pour s'en occuper du sale travail. C'est parfait. Évite de te faire tuer, par contre, sinon j'aurai mauvaise conscience. D'accord, Holmes. Super. Bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Bah vas-y, Wilfried. Ah, c'est moi qui le suis! Ah, pardon! Ah, d'accord, je pensais que. Tu peux pas courir? Parce que tu marches doucement en fait. C'est lent comme démarche, grand chouchou là. Oui, il est parti. Mais il est parti où? J'ai déjà perdu, hein. Ah non, il est là! Ah, faut peut-être que je me cache. Ah, oui, d'accord, faut pas que je sois trop près. C'est quoi les flèches qui sont au milieu? Ah là il peut me voir, ça veut dire. Ah merde, merde, faut pas qu'il me voit, d'accord. J'avais pas compris. Quand vous êtes à couvert, vous vous dites, d'accord. Ah, je déteste ce genre de truc. Il est là. J'ai pas vu comment on pouvait jeter un œil. Il est toujours là. Attends. Il va se retourner. Ah, comme ça. Ah, je vais perdre. Ça va, il est pas perdu bien loin, il a tourné une rue d'avance.
Non, 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 toi, te plante pas, chouchou. Déjà que. Pourquoi il marche? Par contre, tu pourrais pas te trottiner un peu parce que. Ah oui, je peux pas le faire de vue trop longtemps. Oui, c'est bon, je l'ai. Ouh, doucement, on se cache. Ouh, déjà, ça, ça peut faire. Il est là. Je le vois. Il est en train de parler avec un vieux. Chaud, manifestement. Allez, Thibaut, tu vas y arriver. Ouais. Il converse. Longtemps, mais... Faut que je me rapproche ou j'attends? C'est stressant de vous, ça me stresse pour toi. Au pire, je recommence, hein, j'aime dire, c'est pas bien grave, hein. Il attend que t'avances. Ah ouais? Vous êtes gentil, t'es sûr? Il est en train de discuter? Ça me paraît bizarre qu'il faut encore que je m'avance, non? Ah non, c'est bon. Ah oui, d'accord. Oh, la police! Ils me laisseront pas passer. Faut que je passe ailleurs. Ah bon? Eh mais attends, faut que tu passes ailleurs, mais ah, genre là, du coup. Pourquoi ils te laisseront pas passer? Genre, les policiers sont... Les riches donnent de la viande à leurs chiens. Moi, je me souviens même pas de quel goût ça a. Ah oui, bah oui, c'est la différence de classe, mon grand. Je suis désolée pour toi. Mon cher de nos jours. Mon fils n'a que 7 ans. Et il doit travailler dans le... Je peux pas le faire courir, c'est super relou. Ah, il est là. Super, on l'a repéré. Zoup, il est là. On peut pas être plus près là, hein. On lui colle au cul comme la puanteur au derrière d'un facochère, comme tu dirais. Hein. Tu vas où, à droite ou à gauche? Tu vas à droite, magnifique, continue encore un petit pas, on y va. Je te suis. Sale gamin. Comment ça, sale gamin? T'inquiète, je l'ai pas perdu. J'ai des points perdus. Je m'en sors bien, hein. Ah, les gars de la bande des cogneurs. Mieux vaut pas les croiser. Ah, zut. Par où tu passes alors? Mais comment je peux faire? Oh non, c'est au boulot. Ah, je suis obligée de les croiser. Ah mince. Tiens, qui voilà? Attrapez-le. Oups. Faut que je recommence avant, du coup, je suppose. Donc je recommence juste là. C'est pas par où faut que j'aille. Mon beau petit Gavroche. Lui c'est Gavroche, je le renomme. C'est pas par où il faut que j'aille, du coup. Non, très charmant, j'avoue. Ah, peut-être par la porte là, elle est ouverte. Peut-être la porte là elle peut me permettre de passer. Non, je ne vois point. Arrête de chouiner, mets-toi au travail. Oh là là, les gens sont méchants, hein. Je pense qu'il y a une touche pour courir, non? Bah, je sais pas. Pour le moment, je m'en sors bien en marchant, donc... Les gars de la bande des cogneurs, mieux vaut pas les croiser. Touche pour courir, c'est RT. Oh, mais Queenie, je sais pas que t'étais là. Boulot. Attends. Par la tête. Arrête. Ah. Je pourrais continuer la poursuite en grimpant par la cheminée, mais c'est dangereux. J'ai pas d'autre choix. T'attends quoi? Bah vas-y, hein. Attends, je peux pas passer par un autre endroit? Sur la cheminée, ça me bouge rien, quoi. Je peux pas le défoncer, le mec? Arrête de chouiner. Attends, s'il a pas toi au trap. D'accord. Ah merde, bon bah je suis passé par la cheminée. Oh là, mais c'est super dangereux ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je nettoie la cheminée? Mais c'est super dangereux! Mais Gavroche, mais t'étais trop fou! Il se prend dans la gueule en plus! Je suis obligée de faire ça? Allez, grimpe! Vas-y, tu vas y arriver, tu vas avoir un bon cancer du poumon, mais bon, t'as une mission, hein! On est presque au bout, mon grand! On y est! Tiens, bon, respire! Enfin, non, respire pas, plutôt, pardon! Allez, on y est. Allez, oui. Oui, you did it. You're so wonderful. Bravo, Gavroche. On est fiers, hein.
Il est encore là. Bah oui, il est encore là. Oui, bah, en même temps, t'as été lentement, hein. Faut t'arrêter vite, je veux dire. Ok, mais maintenant, comment je fais? Faut que je suive par le toit, vraiment. Attends, parce que je vais quand même regarder où je vais, parce que... C'est un peu le bordel, cette histoire. Il y avait un autre chemin que de passer par le toit, parce que je suis pas super sereine, quand même, de lui faire ça, hein. Comment je descends, maintenant? Parce que là, je peux pas passer par une fenêtre. Suspect perdu. Bah attends, là il faut que je comprenne. Alors là pour le coup, allez par là. Là je vais le perdre, c'est sûr. J'espère que j'ai pas besoin d'avoir besoin de me retaper, retaper le. Je vois pas par où faut que j'aille. Ah là, ok, d'accord, j'ai compris. Oh, je l'ai perdu. J'ai compris. J'ai compris pour après. J'avoue qu'apparemment les gamins sont plus dangereux que des toits en suspens et en cheminée. Ah bah. Il est encore là. Ah super, c'est bien, nickel, je suis déjà en haut, j'avais peur de me retaper la cheminée, mais tout va bien. Allez, on recommence. Gavroche, franchement, il déchire. Rien à redire. C'est vraiment discret ça, je. J'espère que je vais pas tomber dans le vide parce que j'y vais totalement freestyle. Hein. Par là, peut-être. Je peux redescendre? Je veux bien redescendre. Ah oui, non. Wow, attends, qu'est-ce que tu me fais faire? Je vais le tuer là! Gavroche, vraiment, il a intérêt à te payer, machin. Franchement, là, c'est pas, ça mérite pas autant d'efforts. Une petite info, je voudrais juste savoir où il va parce que je suis curieux, tu vois. Mais il n'y a pas besoin de vraiment mettre autant de toi-même dans cette recherche. Vraiment, tu sais, le plancher des vaches, c'est bien aussi. Parce que t'es pas un marsupio, je veux dire. Là, c'est pas. Je sais que Holmes met une grosse pression dans ses enquêtes et je comprends que t'as envie d'aller, mais vraiment, c'était pas nécessaire. Vraiment, autant. Il est où, Coco? Là, il est là. Peut-être descendre du toit maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et maintenant, allez, on va essayer par là. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Ah, il y a un nouveau truc. Il est là. Youpi, je l'ai pas perdu. Attends, par où il va après? Il parle. Je suppose qu'il faut que je l'atteigne. Je vais pas monter. Comment je vais pour l'atteindre? Merde, je l'ai perdu vraiment. Sérieusement? Ah non, ça va, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait sauter. Non, non, quitte, mon grand. T'as 9 secondes pour trouver le mec, alors. Je l'ai perdu? Je l'ai vraiment perdu, j'ai pas vu par où il allait, merde. Je l'ai perdu. Faut que je regarde de là-haut. Gavroche, c'est le best, ouais, de ouf. Alors, attends, cette fois-ci, je regarde où il va. Et après, je le suis. Ou alors, je peux peut-être y aller maintenant, en fait. Hein. Ah non, merde, je reprends ici, pardon. J'avais pas. Oula, calme-toi, Gavroche, calme-toi. Vas-y. Vas-y, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi j'arrive pas à avancer? Non, mais attends. Y'a un truc qui va pas. C'est pas là que j'étais tout à l'heure, si? Ah si, mince, j'étais pas au bon truc. J'ai mélangé mes trucs. Normalement, je le revois, là, non? Ah non, je suis allée trop lentement. Ah, je l'ai perdu. Ça, j'ai cru que j'étais à l'étape d'avant. Non, de l'autre côté. Bah oui, mais tu crois que c'est facile de se repérer sur les toits? T'as cru que j'étais une pro des toits? Non. Je sais pas si j'y vais. Zoup, je sais où je vais. Je sais, je l'ai fait toute ma vie. Zoup. Voilà, il est là. Kono. Est-ce que je peux voir où tu vas avant de descendre? Faut que je le repère. Il va là, ok. On y arrive. Non, te cache pas, chouchou. Il est là. Eh, heureusement que c'est un jeu dans la vraie vie, tu le perds, tu le retrouves pas. Oula, reste caché. Okay. T'as vu comment je tourne la tête? Genre, je veux le trouver. Pas de cachette ici. Je ferais mieux de passer par les jardins. T'es sérieux, mec? C'est là, les jardins? Hey, qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? C'est un accident. Je veux pas être là. Ça va, elle a pas l'air traumatisée, la cocotte, hein.
On passe dans le petit trou. T'as Gavroche, franchement. De toute façon, j'ai toujours eu un gros fait pour les gamins des rues. Reste là. Ok, on peut passer. Regardez le rempli, ce rat. C'est moi le rat. Et ta bouche, toi. Il est là. On est bien, on est discret, hein. Franchement, je le vois plus. Je change d'abri. C'est long, hein, par contre, hein. Non, mais à l'époque, les gamins des rues, on avait la masse, hein. C'était pas du tout surprenant que... Ah, c'est pas moi, cinématique. Oh, cette galère. Ah, j'ai trouvé où il était. Gavroche, you're the best. Hein, c'est le best, hein. Ah, c'est encore moi. Je le connais, lui. C'est Jim le serreur de Chamber Street. Il est muet parce que son beau-père le tape quand il est sous. Quel rapport? Eh, hey, Jim, tu me prêtes ton matériel? Je suis en mission secrète pour Monsieur Holmes. Mm-hmm. Merci, Jim. On t'oubliera pas. Il est vraiment très dévoué, hein. Attends, Holmes, il a pas demandé tout ça, hein. Je sais pas comment on sort des chaussures, moi. Jerry, faut d'abord brosser. Vaut mieux commencer par enlever la boue. Ah, d'accord. C'est bien, faut pas commencer par brosser. Reposer. Enlever oui, la boue. Vite. Oui, oui, bah ça va. Vaut mieux commencer par... Mais attends, mais je sais pas, moi. T'es mignon, j'ai jamais ciré de chaussures. Ma mamie, oui, ma mamie. Commencer par... Ah, c'est avec la... Je vais tout faire. Quoi. Non, 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 pas du tout, monsieur. Je méditais. Alors, regarde, comme je te lave bien la boue. Waouh, faut peut-être essuyer maintenant. Oui, j'ai eu bon. Oh là là, il y a plus de boue. T'as vu ça, les chaussures, elles sont pas du tout propres. Qu'est-ce que tu fabriques? Mais ça va. Ah, je me suis fait engueuler, je crois. Ah mince, ça a pas marché du coup. Du coup, il m'a grillé. Mais tu crois que je sais nettoyer des chaussures, moi? J'ai jamais fait ça non plus. Ah, ça me rassure. Par contre, il y a deux gros chiens. Il parle avec un cocher. Il faut que je me rapproche. Comment ça, tu veux que tu te rapproches? Bouchon, bon, t'as un abri ici, à la rigueur, que je veux bien te concéder. Mais pas plus près, hein. Il y a des cleps après, hein. Tu veux te rapprocher plus que ça? Ah, là-bas? Genre là? Comment tu veux qu'il se rapproche? Je vais essayer. Au moins, il fait bon. Ça, je l'ai. Parce que si c'est là, c'est pas pour rien. J'espère que le froid ne va pas revenir. J'ai pas de quoi payer le charbon. Hé hey. Ah, il a pris de la calèche. Tu peux monter derrière? Ça fait très dans les films, ça. Faut pas le perdre. Tapoter, tapoter, tapoter. Bah, je tapote. Oh là là, Gavroche! Il l'a pas capté? I did it! T'as la vache! En fait, le jeu c'est Gavroche, c'est pas Sherlock Holmes, hein. Franchement, il déchire le gamin. Non, du coup, j'ai loupé. Attends, Matori, excuse-moi, je te lis. Ça me fait une pause pendant ce temps. Coucou Supergirl, ça change d'Eldaria sincèrement, merci Joël et ta bonne humeur ne change rien, ton sourire est un véritable rayon de soleil, prends soin de toi et continue vivement dimanche pour la suite d'Eldaria, des bisous et bon stream. Merci beaucoup Matori, effectivement je t'avais pas vu, excuse-moi je ne t'avais point vu. Et bah continuons hein, t'auras des scènes dans le même goût avec Sherlock, super, c'est pas du tout ce que je préfère, c'est pas du tout ce qui me rend le plus confiante en moi, mais ma foi je m'en sors hein, c'est pas... Regarde, Batou, je l'ai fait mourir au moins une fois par stream. Donc, ça se tente, hein. Mais Gavroche, au-dessus du game, quand même. Hein. Monsieur Rouflaquette, il va dans une bien belle maison.
pas un homme du peuple, monsieur Rouflaquette. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Mais ça, tu veux pas laisser Sherlock Holmes le faire, doudou, parce que là, t'es petit, toi. Oh, un monsieur qui tire sa jambe. Je vais parler au monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Du yoga? C'est pas encore à l'époque, hein. Ça a l'air, pourtant, mais soit. Ok, je veux pas te demander, hein, tu te regardes, après tout. Salut, Apollon. C'est le nom du cheval. C'est fermé. Oh, c'est surprenant, vraiment. C'est... Wow, trop inattendu. Ok, bah qu'est-ce que je suis censée faire? Ah, bah évidemment. Évidemment. Je suis née vers 19h30. Mais qu'est-ce que tu t'introduis chez les gens comme ça, mes doudous? Mes doudous, il est pas du tout raisonnable. Hein. Ok, on va passer à la porte, c'est cool. Ah, on se baisse plus, du coup, c'est... Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce qu'attends, on se... Il y a personne. Bonne nouvelle. Ah, on peut épier à la fenêtre. Magnifique. C'est pas foufou ce qu'il y a à voir, hein. C'est pas dingo tout ça. Ah, si. Mazette, ça en fait des trucs chers. Oui, mais ça, t'as pas besoin d'épier pour savoir que c'est bien des thunes, hein. Je veux dire, ça se voit déjà à la gueule de la baraque, hein. Ok. Ah, mais attends, il y a des trucs à voir encore, sinon ça serait rond vert, c'est ça? Donc il y a des choses qui m'ont échappé. Non, pourtant... C'est-à-dire qu'il y a d'autres trucs à voir, c'est ça? Pourtant, il n'y a rien. Le blason. Ah! Putain, bien vu. Un blason, ça pourrait aider Monsieur Holmes. Je vais le dessiner. Ah, mais Gavroche, mais il est trop taqué! Putain, il m'impressionne trop, le gamin. C'est lui que je veux jouer, en vrai. J'aime tellement les gamins des rues, c'est tellement... trop ma vie dans les je bouquins. Je n'arrive pas à voir à l'intérieur. Ah. Tu veux rentrer? Mec, t'es sûr, c'est chaud quand même, hein. J'ai vu que t'avais la porte, mais... C'est trop dangereux d'entrer. On est d'accord. Tu me rassures un peu, Gavroche. Franchement, j'ai eu un peu peur, là, mais... Ok, on a découvert des trucs, hein. C'est un début, hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Ah, il y a une autre porte ici. Bon, bah, c'est l'autre porte de l'autre côté, forcément. Gavroche est le meilleur espion de l'année. De ouf. Il marche très confiant quand même. Ah, voilà. Ne faisons pas notre pharo. Est-ce qu'on peut voir les fenêtres ici? La porte. C'est trop dangereux d'entrer. Oh non, mais je suis bien d'accord, mon chou. C'est juste pour que tu... Ah, il y a une fenêtre que je peux atteindre ici. Attends. Hop. On voit ce qui se passe. Il y a que deux personnes qui vivent ici. J'aimerais bien en être, moi. Tu m'étonnes, mon doudou. Mais là, des potatoes. Des sacs de nourriture? Elle me plaît, cette maison. Non, oh, il est trop mignon. Bon, je vais faire mon rapport à Monsieur Holmes. Faut filer d'ici avant de me faire choper. Je suis bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Gavroche, c'est un gamin des rues dans les réserves. Ah oui, c'est pour ça que je l'appelle Gavroche, hein. Il s'appelle pas Gavroche, en vrai, je sais plus son nom. C'est un surnom, oui. T'as, il est génial, hein. Franchement, gamin, plus. Wiggins, ah oui. Je préfère Gavroche. La sauvegarde, du coup, c'est le symbole auto qui tourne à chaque fois ou je peux sauvegarder moi-même à la main? Le rapport de Wiggins était intrigant. Que pensez-vous de sa trouvaille, Holmes? On lui doit un bon sac de bouffe. Étudier l'élément rapporté par Wiggins. Étudions. Wiggins a bien travaillé. Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Par où on étudie déjà? Oh, il a un sac de frappe. Oh, le chien, chien! Brave Toby. Oui. Le meilleur flair de tout l'Empire. Ma table d'analyse. Elle me sert pour mon travail. Et tu veux pas t'en servir pour machin, là? Ah, examiner blason. That's it. Dessin de blason. Le blason recopié par Wiggins. Bah, histoire, du coup. Taverne du dragon vert, Napoléon, histoire de Rome, civilisation, acte d'union. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ah, je me disais aussi. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Je vais tous les faire. Ah bah non! Ah bah non, laisse-moi dedans. Je vois pas ce que ça peut être. Si c'est... Ah, art et architecture, peut-être. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Je vais tous les faire, hein. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me... Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ça me fait rire. Oui, ça c'est la phase. Ah, je peux voir les journaux aussi. Oui, mais ça, c'est pas ce qu'il me faut non plus.
chimie, blessure, marque et symbole, insigne et médaille, arts martiaux. Putain, il y a plein de trucs. Non, c'est pas ça. Non, reviens-moi là-bas. Économie, peut-être. Oh, ça m'étonnerait. Marque et symbole. Le divin syndicat. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Blason anglais. Ah, voilà. Blason de la famille Marsh. C'est pas... Ah si, c'est ça ? Non, si, c'est ça. De nos jours, cette famille est représentée par Lord Edward Marsh, le célèbre bienfaiteur. Il fournit aux indigents de Whitechapel des provisions, des vêtements chauds, etc. Lord Marsh est également l'un des fondateurs du programme spécial d'éducation qui offre aux pauvres l'occasion d'étudier. Lord Marsh vit au 3 Mansbury Road à Londres. Donc Lord Marsh, c'est le mec à qui l'enfoiré qui propose des tafs chelous rend visite et qui son pote... Donc est-ce que Lord Marsh ne serait pas un gros corrompu sa mère ? Et voilà. Et voilà, on est d'accord. Même conclusion. Alors cet homme serait Lord Marsh. Un lord qui s'encanaille au pub. Mais non ! Allons rendre visite à Lord Marsh. Nous ferons semblant de nous intéresser à ses bonnes œuvres. Mais non, mais c'est pas lui Lord Marsh. Enfin, je crois pas, non ? C'est son pote. Je peux pas me changer ? J'aimerais bien apparaître au beau gosse. Monsieur Holmes, vous avez de la visite. Ah. Eh bien, dites-lui d'attendre. Je crains que ce ne soit impossible. Cette jeune fille est, comment vous dire, particulièrement impatiente. Ah ! Pardon ? Papa ! Kathleen ! Le pensionnat de Miss Kathleen a été inondé. Toutes les élèves ont été renvoyées chez elle. Comme si ça ne sentait pas déjà le moisi. Oh, elle est pas belle. Ma parole ! Elle ressemble un peu à Sarkozy, mon petit. Grandir si vite. Tu es la bienvenue. On va te trouver une petite place. Holmes, je lui donne ma chambre, bien sûr. Qu'est-ce que tu en dis, Kate ? Vous êtes sur une nouvelle enquête ? Dites-moi, dites-moi ! Une belle dame victime d'un horrible maître chanteur ? Une histoire d'amour entre un prince et une suffragette ? Comment as-tu deviné ? Vous me raconterez, hein, papa ? Oui, bien sûr ! Tu vas rendre Watson jaloux ? D'accord. Bonne chance. Je vais m'installer. Vous pouvez m'aider, madame Watson ? Je l'aime bien la petite. Ah bah je l'aime bien aussi, mais elle est moche. Non mais après, comme ça, ça l'oblige à être intelligente, hein. Il faut positiver. Attends, déjà, on va changer un petit peu parce que... Pourquoi j'ai une guirlande au-dessus de ma porte, maman ? Allez-y, monsieur Holmes, allez-y. Je m'occupe de tout. Ok. Ok. Je veux juste me changer, moi. Parce qu'attends, on va avoir un lord, donc là, faut s'habiller en mode chicose, tu vois. Là, faut qu'on fasse nos beaux gosses. Bon, faut qu'on se fasse bobo. Allez. Par-dessus, marin, intérieur... Négligé, docteur, bandit, pasteur, tenue de sport, complet usuel, par-dessus. Y'a pas 36 choix, bah complet usuel, non, c'est plus chic. Je dirais, hein. Ah non, non, c'est pas sexiste du tout, Pixels. Si c'était un mec, je dirais la même chose. C'est une blague, c'est tout. C'est pas du tout genré, rassure-toi. Allez, valider et sortir. Hop, et on va changer de chapeau aussi. Parce que là, y a pas un on avait un chapeau haute forme, non? Voilà, c'est ça qu'on veut. Ou des petites lunettes avec, tiens, des petites lunettes pour bien faire bourgeois psychopathe, c'est pas mal ça. Enlève la barbe, non, la barbe elle est propre sur lui. Oh, c'est bien ça, des petites lunettes et barbe. Ah, ça fait docteur. Ah oui, là il est bien, là il est bien. Là, il fait bien docteur, hein. Bah, ça fait une blague méchante, alors. C'est mon avis, bien sûr. De quoi ? De dire que s'il est moche, il est obligé d'être intelligent ? Si ça, c'est méchant, tu dois pas aimer beaucoup de mes blagues, hein. Allez. Watson, regarde comme je suis beau gosse. Watson, est-ce que tu veux me pécho ? Quelle joie d'avoir Kate à Baker Street. Oui, alors, par contre, tu pécho pas ma fille, hein. Où on va déjà ? Ah oui, on va chez le mec. Attends, je voulais voir un truc. Il est quelle heure ? 19h07. C'est pas ça que je voulais faire du tout. Du tout, du tout. Je voulais, voilà, je voulais voir ce qu'on avait débloqué. Ah bah, rien de plus en fait. Hop, ici, on a... Ah bah du coup, j'ai pas besoin de me déplacer en fait. Maison de marche, et ici... Enquêter. Et on va voir Monsieur Marche ? Y a pas de monocle. Ah, y a que les lunettes. Peut-être que les monocles, tu peux les dropper plus tard, mais... Elle est trop jeune, la petite, je pense. Oui, on est d'accord. Hein. Elle est clairement trop jeune.
Zoup. Un peu d'eau pendant que ça charge. On fait ça et puis je pense que j'arrêterai là. Il me rappelle quelqu'un dans un film ou une série. Sherlock Holmes, peut-être. Ça me paraît très logique. Holmes, au sujet de Kathleen. Oui. La tête qu'il a. Elle a bien grandi. Ne j'ai cru que vous voulez taper ma fille, j'ai eu peur. Lui dire quoi? Oui, Watson. Voilà, merci, explique. Eh bien, pour son père. Jamais. Il n'en est pas question, vous m'entendez? Holmes, vous êtes responsable de la mort de son père. Vous lui devez la vérité. Elle est assez grande. Je la perdrai. Vous ne comprenez pas? Elle ne doit jamais savoir, Watson, c'est clair? Holmes. Watson, elle ne doit pas savoir. Ah, c'est un gros secret quand même, hein? C'est quand même du gros secret, nous, là. J'ai peur, moi aussi, t'as vu? Avec la conversation qu'on vient d'avoir... Attends, restons pas sur un conflit. Entrons. D'accord, ok, restons sur un conflit. Allez. Bonjour! C'est le docteur Sherlockus. Entrez, je vous prie. Je viens pour parler d'affaires, je vais donner des sous. Il ressemble à Abraham Lincoln, c'est vrai! Wow, il y a beaucoup de nourriture quand même. Bonjour, messieurs. Soyez les bienvenus. Et que puis-je faire pour vous? Toi, je t'aime bonjour, pas déjà. Bonjour, Lord Marsh. Mon nom est Sherlock Holmes. Et voici mon collègue et ami, le docteur Watson. Ah bah, X. Allez! On va déceler à quel point tu es vicieux. Non, peut-être pas. Ne se sent pas bien. Il est clairement malade, hein. Il y a un médecin à côté, alors... on voit rien sur les oreilles. Ok, très bien. Avançons. J'avance doucement, d'accord? Soyons step by step. Ah, les mains, forcément, il y a des trucs. Ouais, voilà. Chevalier en or. Il est riche. Oui, bah ça, je pense qu'on le savait. J'ai envie de dire... Le plaid. Il est malade. Il cache quelque chose, lui. Il cache quoi? Je vais pas voir ici, non. Il aime le café. Bon, ça, comme tous les Anglais, j'ai envie de dire... Ah, des pilules! Puissant, algique. Ah, donc il est malade. Et du coup, ah oui, quand je découvre des trucs, en fait, je peux modifier les autres discours. Mes autres pensées. Assistant personnel de Lord Marsh, recette de cuisine. Assistant personnel, je pense. Ça me semble plus logique. Et là, du coup, c'est le fameux assistant. Motif brodé. Membre d'un club de chasse, ok. Donc c'est clairement pas son cuisinier, hein. Stéthoscope, médecin. On est d'accord. Et on a tout vu. Eh, franchement, on est pas mal. Ils ont tous des têtes de psychopathes. J'avoue. C'est ça. Portrait complet. Bim, baby. I'm so proud of me. Ok, on a son petit portrait. Lord Marsh est un homme fortuné et haut placé, comme le montrent ses vêtements de valeur et sa chevalière en or. Il a voué sa vie à aider les pauvres. Il est malade. C'est pourquoi il est assis sous une couverture malgré la chaleur qui règne dans la pièce. Je me méfie de ceux qui aident trop les pauvres. Tu sais, après, ils cachent souvent de la thune derrière les œuvres de bienfaisance. Hein. C'est pas que je suis méfiante de l'humanité, tu vois, mais... Je vous dérange? J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Vous êtes avec votre médecin? Oui, je vous présente le docteur Ruben Fisher. Votre visite m'intrigue, monsieur Holmes. Regarde comment je suis chic. Je suis touché. Je ne voudrais surtout pas contrarier un patient. T'as vu, je suis chic, hein. Lord Marsh, permettez-moi de vous dire combien j'admire vos efforts en faveur des pauvres de Londres. Ah, oui. C'est une guerre que nous devons mener dans nos rues. Et maintenant, depuis chez moi. Vous avez sûrement remarqué ces sacs remplis d'objets, de vêtements et de livres pour et les... Et un petit pot de coke. C'est admirable. Moi-même, je m'efforce également de venir en aide aux plus démunis. À mon humble niveau. Je pensais que vous auriez peut-être besoin d'assistance. Eh bien, pourquoi pas? Je reçois déjà l'aide inestimable du docteur Fisher, qui est aussi mon médecin. Vas-y, ça. Pardonnez-moi, Lord Marsh, mais vous êtes très pâle. Puis-je vous offrir l'aide du docteur Watson? Comme ça, on aura deux... C'est gentil à vous, mais je pense pouvoir procurer à Lord Marsh les soins que son état requiert. Depuis quand êtes-vous malade, Mylord? Je vais bien, docteur Watson. Ce n'est qu'une vilaine grippe. Je serai sur pied dans quelques jours. Je me sens déjà mieux. Je dirais antalgique, hein? Dans ce cas, pourquoi prenez-vous des antalgiques?
Que voulez-vous dire? Monsieur Holmes fait allusion aux pilules sur la table. Oh, bon, même Watson l'avait. Désolé, je suis tenu au secret médical. Je connais ce visage. C'est étrange. Votre visage m'est familier. Il a plus ses roues plaquettes. Curieusement, il m'évoque Whitechapel. Quel sens de l'observation. C'est vrai. Croyez-le ou non, il m'arrive de fréquenter les pubs de ce quartier. Pas pour boire, bien sûr. Je me déguise en ouvrier pour approcher les gens et leur demander s'ils seraient intéressés par un travail spécial. Un travail spécial? Il est très honnête, hein. Savoir de quoi il s'agit. Bien sûr. Lorsque Lord Marsh a créé son programme spécial d'éducation en 1889, il a compris que ces gens ont avant tout besoin d'un emploi. Alors, avec ou sans éducation, nous leur proposons de travailler avec Lord Marsh. Une chance pour les plus modestes de faire de Londres un endroit où il fait bon vivre. C'est remarquable. Ah oui. N'est-ce pas? Il a un beau complet, pour Watson, hein. Le monde, il faut être un visionnaire et un humaniste. C'est la philosophie de Lord Marsh. Oui, depuis toujours. Bien sûr. Oh, le docteur Fisher et son goût du romanesque. Enfin, passons. J'ai pas confiance du tout. Pas du tout. Attends, là, on va pouvoir examiner les choses. Je suis intrigué par ce programme spécial d'éducation. Mais t'es pas le seul, mon coco. Donc, je peux leur parler, on va voir pour malgré leur parler. Malgré mon rang, oui, je partage ma demeure avec ces sacs de victuailles pour les pauvres. T'attends vraiment que je t'admire, t'as 15 pièces. Lord Marsh a une conviction, aider les nécessiteux. Bah écoute, c'est très bien pour lui. Je suis très admirative de Lord Marsh. Lord Marsh aide même les hôpitaux. Oh là là, quel homme exemplaire. Trop exemplaire, tu vois. C'est pas... Des provisions pour les indigents. Il a pas de... tu vois. C'est... Comment ça? Avec comparé à toi, Watson, c'est une bombasse. Il est très beau, mon Sherlock, d'accord? Non mais oh. J'ai jamais vu autant de dons pour les pauvres. Et encore moins chez un lord. Ah, la tablounette. L'année passée, 3 orphelins ont eu accès à des études de médecine. Grâce à Lord Marsh et au programme spécial d'éducation, bien des pauvres pourront avoir une deuxième chance. Ouais, j'y crois moyen. C'est trop gentil. C'est qui? Lord Marsh, pendant une partie de chasse avec ses amis. Ah, ok. Mes chers camarades, Lord Collins et Lord Harrington. Si cette satanée maladie ne me retenait pas, je serais en compagnie de ces vauriens. Non. Oh. Chaque chose en son temps, my lord. Quelle bonne ambiance. Ok, donc c'est bon pour la tablée? Ah non, il me reste un truc à voir, c'est jaune. Quand c'est jaune, c'est que j'ai pas tout vu. Coucou, Eliana. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Grâce à Lord Marsh et au programme spécial. Ah, c'est ça. Non? Bah non, je peux pas le voir, ça. Qu'est-ce qui manque? Il manque quelque chose. J'aime pas quand il manque quelque chose. Là, c'est vert. Là, je peux pas cliquer dessus. Là, c'est vert. Et là, je peux pas cliquer dessus. Bah, y a rien pourtant. C'est bizarre. Pablo Escobar. T'as le symbole de l'œil. Ah, ok. Ça veut dire que je peux y retourner. Bah non, pourtant. Bon, je vais finir. Lord Marsh semble dépenser une grande partie de sa fortune pour aider les pauvres. Ça, c'est toujours jaune. Le look de Sherlock Holmes est, comment dire, avec tact original. Vous êtes juste jaloux. Vous êtes jaloux de son style. Le petit blason bleu. Je vais réessayer. Non. Ah, tu penses que ça peut être un truc aussi petit que ça? Ça, je l'ai vu. Ça m'étonne qu'il n'y ait rien sur les lettres aussi, hein, mais... L'encre là, non. Attends. Non, c'était ça. Écoute, j'ai l'impression que j'ai tout fait, hein. RB. RB? Oui, où RB? Ah! L'œil, oui, d'accord, pardon. Document avec saut. Ah! Oh, bien, wesh! J'ai pas le réflexe encore d'utiliser. Cher Lord Marsh, voici la liste des participants sélectionnés pour le programme spécial d'éducation d'octobre. Cet événement semble très prometteur, j'ai hâte d'y être. Patrick Tanner, Thomas Kelly, John Stobridge, William Thatcher, Reginald Staple. Et pourquoi je dois souligner? C'est pas... qui c'est qu'on cherche, nous? Je sais pas ce qu'il faut que je souligne, moi. Je sais plus comment il s'appelle... Attends, mais je peux peut-être l'ouvrir... Ah non, je peux pas ouvrir en même temps.
Stourbridge, ça me dit un truc. Bah moi aussi. Mais il est où le papa? Bah c'est ça. Je sais pas lequel il faut souligner. Merci Willows pour ton sub. On cherche George Hurst. Ah oui, donc il est pas là. John, non. Mais pourquoi John? À part s'il nous dit quelque chose, mais... Peut-être le nom de ses potes de chasse. Ah oui, c'est ça. Le Stourbridge, on a entendu son nom au pub. John, John aussi disparu. Le gars qui a disparu. Ah oui, l'avis de recherche de John dans le pub. Oui, c'est vrai. John Stourbridge. J'ai déjà vu ce nom. Vous êtes bon, hein? Il figurait sur l'avis de recherche. Il a disparu. Lord Marsh, avez-vous déjà une idée du nombre de personnes dont vous avez changé l'existence? Oh, vous exagérez, monsieur Holmes. Mais il est vrai que ces gens sont devenus comme ma famille. Ouais. Une famille très nombreuse. C'est sûr, il les kidnappe, il leur fait faire des tafs super sales. Oui, la liste serait plus longue que n'importe laquelle de vos nouvelles. Mais je ne saurais vous dire combien. Ah, Fisher est donc complice. C'est Fisher qui tient les comptes. Est-il possible de voir cette liste? J'ai bien peur que ce soit impossible. C'est confidentiel. Je ne peux pas transiger sur ce point, monsieur Holmes. Je comprends, je comprends. Nous ne manquerons pas de faire un don à votre programme. C'est confidentiel, et pourquoi c'est confidentiel? Je vais vous laisser à vos œuvres à présent. Merci et bonne continuation, monsieur. Pareillement, monsieur Holmes. Je suppose que ceux qui ont disparu, genre, ils n'ont pas voulu faire le travail complètement. Je pense, hein. Un truc comme ça. Bon, du coup, je peux regarder ici ou... Non, ça précise quand je dois utiliser RB, en fait. Et là, c'est quoi? LB. Oui, non, c'est pareil. Du coup, je m'en vais? Y a-t-il autre chose qui vous intéresse? Bah, non. Lord Marsh a une conviction. Aider les... Ah, il m'énerve avec sa voix pompeuse, lui. Je suis intrigué par ce programme spécial d'éducation. Hein, la voix pompeuse, ça va, hein. Moi aussi, je peux faire... voilà, c'est pas pour autant que... Voilà, je suis quelqu'un de bien. Je pense que c'est encore des trucs à voir dans la maison, non? À mon avis, oui, regarde tout ce qu'il y a à voir. Il y a tout partout. De l'aide pour les miséreux de Lambeth Workhouse. Il fait tous les quartiers. C'est un mec bien. Des sacs pleins de nourriture. Je peux voir la porte ouverte, là? De l'aide humanitaire pour un orphelinat. Ah oui. C'est très honorable de consacrer sa vie à aider les pauvres. C'est vrai que c'est sympa. C'est... C'est fermé à double tour. Dommage. C'est dommage. Ah, t'as les trucs là-bas. Bon, vu que je peux vadrouiller où je veux... C'est fermé à double tour. Ah bah, il est prudent, Coco. C'est fermé. Tout est fermé, en fait. C'est... Le mec vit dans une prison. Il a clairement quelque chose à cacher, hein. Je peux pas monter? Non, mais il doit y avoir encore autre chose à faire, non? Clairement, je vais pas partir maintenant. Non, mais je veux pas partir maintenant, c'est un échec. On peut appuyer sur Y pour faire des déductions. Ah! Ah! Relier deux indices pour formuler une déduction. Le rouge indique une combinaison impossible. Ok. Alors attends. Oula, 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 oula. Travail spécial de Hurt. Ça, clairement. Non, ça, on s'en fout. Ah non, c'est pas ça. Avec ça. Oui, ça oui, ok. Je comprends pas. C'est quoi ça? Il existe un lien entre le travail spécial de George... Oui, bah oui, je pense. Ok. Pas très intuitif comme bordel. Et j'ai un autre truc ou... Ou les devs voulaient pas faire modéliser des zones supplémentaires, peut-être. J'avoue. Attends, j'ai allumé la lumière parce que je commence à plus rien voir dans ma pièce. Cela dit, elle reste plus longtemps, hein, mais... Je reviens. Donnez vos pronostics pour mon sort. Et hop, petite lumière. On y voit quand même plus clair. Hop! Appuie sur RB pour revenir aux indices. Ok. Hop. RB, non, il y a écrit indice. Ouais. Vous avez raison. Attends, je regarde juste parce qu'en fait, c'est assez bizarre parce que t'as des petites bouboules partout. Donc, RB.
Ok, donc après ça, j'ai Clark Quatermain. Bon, ça, il n'y a rien à dire. Hein. Participant au problème d'éducation. Moi, je mettrais ça et ça. Hein. Non ? Travail spécial de Earth, moi, je l'aurais mis avec ça. Je vois pas trop ce qu'on peut allier d'autre en fait. Le chasseur, on s'en fout. Le club est important. Bah ouais, mais. Lord Marsh et le Dr. Fisher ont inventé le programme. J'essaye ça. Non. Vous pensez quoi? Refus et disparition. Bah j'ai essayé pourtant. Refus. Bah non. Ah non, j'avais pas essayé. Refus, ça va avec rien en fait. Refus, on peut rien faire. Bah, il reste ça. Non. On a tout essayé, hein. Tu peux y revenir plus tard. Club et travail. Je crois que je l'ai fait déjà. Ah non, c'est le seul que j'ai pas fait. Non. En fait, on a tout essayé là. Hein. On a essayé tous les machins. Tu obtiendras des indices tout au long de l'enquête, donc tu pourras les relier plus tard. Ah, ok. Donc là, ça veut dire que celui que j'ai trouvé tout à l'heure, il marche. En tout cas, c'est ce que... Oui, d'accord, ok. Ok. Il faut plus d'indices. Mais du coup, faut que je continue à rester ici? Ou faut que je m'en aille? Fais tout en part. Mais je crois que j'ai fait tous les indices que je pouvais choper, en fait. C'est ça qui me... chafouine. Parle au gars à nouveau. Y a-t-il autre chose qui vous intéresse? Bah non, je peux rien lui dire. Lord Marsh a une conviction. Il me disait la même chose. Aider les nécessiteux. Tu peux partir, pars. Je pars. Mais attends, il me dit quoi en objectif Oula, y a des nouveaux trucs. Ah cool, j'ai gardé ça, ça c'est sympa. Parce que les noms, sinon je vais totalement les oublier. Oui, je suis toujours sur ce truc-là. Hein. Ah, mais je vais où? Parce qu'en gros, j'ai pas d'autres pistes. Je vais faire une pub pour un... Ah oui, vous êtes en train de parler entre vous. Ah, je vais peut-être aller voir par là aussi. Ah, je peux faire courir, c'est bien ça. Peut-être que je peux voir des trucs à l'arrière, genre. Sur la même fenêtre, c'est... Non. Fouille dehors, je pense. Ouais, bah j'y suis, mais... Peut-être essayer de passer par là. Mais je pense qu'ils vont me dire que c'est fermé aussi. C'est fermé. Bah écoutez, de toute façon, techniquement, c'est l'heure d'arrêter. C'est juste que je sais pas comment sauvegarder automatiquement. Ça, c'est un peu cul. Sauf dehors, il y a que dalle, hein. Sherlock qui fait un boutique. Il fait sa petite vie. Attends, non, c'est la porte. Je pense pas s'il faut que je m'en aille. Hein. Je sais plus, mais reviens au 221, je pense. Ok. Hop. Et comme ça, ça me fait sauvegarder en plus. Hop. Kill name. Tu me fais rire. C'est une clé. Ouais, j'avoue. Hein. Bonsoir, Malké. Ah, Watson est de retour aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Holmes, nous devons aider le pauvre Tom. Tu m'aides vachement. Bon, en tout cas, on s'arrête là. Il faut essayer de trouver la solution pour la semaine prochaine, d'accord? On essaiera de trouver la solution. Parce que là, je suis déjà bloquée. Ça a été si rapide. Je pense qu'il faudrait que je retourne là-bas. Ma table d'analyse. Parce que là, j'ai pas de mission vraiment, donc.
On verra la semaine pro, hein. En tout cas, on s'arrête là, mes bouchons, parce que du coup, j'ai joué 1h30. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas, Team Rediff, à le dire en commentaire sur YouTube, et sinon dans le chat directement sur Twitch. Mais j'aime beaucoup, honnêtement. Alors, c'est pas le genre de jeu que je kiffe spécialement faire de base, parce qu'il y a quand même la partie où je dois genre courir ou faire des actions, tu vois. Mais ouais, c'est plus dur que Batou, je suis d'accord. C'est moins intuitif. C'est clairement moins intuitif. T'as moins de guide, en fait. Mais j'aime bien le côté déduction. J'aime bien le côté où tu réfléchis. T'as le côté vraiment enquête, où tu t'attaches quand même au perso et tout. Donc, c'est sympa, mais déroutant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, écoute, on verra bien, hein. Bon appétit pour ceux qui vont manger, je pense pour la plupart, du coup. Et prenez bien soin de vous. Nous, on se retrouve demain pour un stream. Et vendredi pour un stream, et puis samedi pour vidéo et stream, enfin plein de choses qui nous attendent. Bisous tout plein, prenez bien soin de vous, et puis plein de bisous. Mouah. Belle soirée.